Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue à bord de l'information. Nous comptons pour nous capables porter information pour vous-mêmes. La rivière Massacre, massacre 1937, massacre du Persil, massacre le couteau, bon côté pas ici, c'est non ça, c'est pas massacre 1937. Président de la République dominicaine, qui était Rafael Leonidas Trujillo Molina, te baille l'ordre pour être capable de tuer un pile haïtien. Dans la date de octobre 1937, rivé 8 octobre 1937. En pile haïtien te perdi la vie. Yo. Et d'après recherche, yo dit c'est entre 25 à 30 000 haïtiens qui perdi la vie. Yo. Mais en pile partisan trou yo a bat pour défendre massacre sa que li même li fait dans l'année 1937. Yo dit c'était yon délimitation, li tap essayé établi, mais malheureusement, c'est pas ça lié en réalité. Nous connaît clairement, c'est pas ça lié. Mais hélas pour nous-mêmes, nous pas de gen militaire haïtien vraiment qui t'a répondre à l'appel, ni défendre nous ni venger frère accès nous qui perdit la vie dans massacre 1937 ça. S'il te plaît, c'était moun sa yo qui t'a travaillé dans plantation pour yo. Oui, qui t'a fait cob dans poche yo qui te permet que t'es grand planté dans l'année ça. Mais ça qui est étonnant c'est que pour capable comprendre et tirer attention sous lui, li fin tiye 300 haïtiens pour déclencher massacre 1937 là, li déplacer pour aller Dabon pour capable exactement prononcer yon discours qui vraiment long que nous pas partager ensemble avec tout, mais c'était phrase ça qui t'ai retenu attention, c'était et ces dernières phrases que il t'ai dit tout. Remède, ce remède va se poursuivre. Ce remède va se poursuivre. Eh bien, est-ce que c'est remède ça qui a poursuivre toujours dans des groins? Non, en tout cas. Yon nan bagay pou tire attention nou encore une fois là-dedans. Fizi sa yo ki te utilisé pou tiye fwè aksè nou yo, c'était yo même celle qui te gagné. Et sous américaine yo relevé, c'est yo même exactement qui fait massacre ça. Et yo te confirmé ça. N'a pas avancé après massacre 1937 là. Fòk mwen di yo, c'est pas seulement ça qui te fait. Te gen plusieurs autres petits massacres encore qui te fait que l'histoire pas mentionné, ou comprendre? Qui est plusieurs, c'est pas première fois n'a y a massacré nous en République dominicaine. Nous mouri pas grand goût, nous mouri pas froid, nous mouri pas paludis. Oui, c'était salié dans l'époque là. Après tout massacre ça yo, en pile moun a parlé, eh bien président à l'époque, président américain à l'époque qui était Franklin Delano Roosevelt et président Panou qui était Stenio Vincent, mandé yon indemnité de $750,000 qui équivaut à $30 américains par personne. Mais en 1946, en pile temps passé sous ça, m'dou 1937, faut kawe 1946, en pile l'année passé sous ça, dossier ça vin rive dans la Cour internationale New York à l'ONU. Mais comme pa gen preuve, pa gen assez de données, etc., pa gen vraiment ken avancement qui fait pour jugement te capable avancer pour des cas une justice pa nou. Mais moun yo pa rete la, haïtien pour le moment pa rete la, l'histoire a pour recommencer encore, l'histoire commencer à pour répéter encore à nouveau. Gagné yon équipe moun nan Odès qui décidé faire moun signer pétition pour question massacre ça. Puis yon ka jwenn assez de données, puis yon aller dans la Cour internationale à New York dans l'ONU pour ka faire yon jugement sur exactement massacre 1937 que nous parlons une justice pour lui. Donc moi t'es content pour m'être capable informer, moi t'es content pour m'être capable partager information ensemble avec vous sous massacre 1937 là. Non pas moi, c'est Natalia Calixte, moi t'es content pour m'être là ensemble avec nous. À la prochaine pour une plus belle édition, pour une plus belle information et n'a content partager ensemble avec vous.